C'est qu'on est comme un pays d'Haïti à Grèce Mondelin réveillé pour ma terre. Merci beaucoup, Madame Christine Saint-Georges. On est allé, on va pouvoir bon Dieu la vie, on espère passer un bon week-end. Rendez-vous pas dans la course pour l'autre semaine. Zami auditeur, passez un bon week-end à Caraïbes FM, bon vendredi. Nous comptons le fait qu'on fait un signe que à Bourgogne Boulevard Mondial, on fait dernier grand voyage là avec nous pour semaine. Mais c'est deuxième, mais carnaval là, on connaît, il est point trois dans le voyage. Bon week-end à tout le monde. N'a l'ouvre journal là avec information ça, que nous besoin plus de détails autour de lui derrière sur l'incident ça. Oui, sur l'incident ça, nous apprenons qu'il est arrivé dans la Miracroix, mais nous avons gagné Maître André Michel qui a déjà sorti une note sur son incident en attendant que nous joignions l'autre autorité, la police et la justice, pourquoi pas dans la zone ça, par rapport à un individu qui t'a semblé rentrer la caillou aux citoyens dans Miracroix, et t'as gagné un monde qui mourit, t'as gagné une ou deux notes qui blessait. On va essayer de chercher plus de confirmations. Mais maintenant, Michel, on va dire qu'à quoi information, c'est qui ça lié exactement, qui a un rapport avec Miragwan. Bonjour. Bonjour. Radio Caraïbe. Bon, l'information, c'est quoi? Et information à vérifier. Et hier soir, aux environs de 7 heures, il y a un groupe de voyous de délinquants qui réclamait au de PHTK qui rentrait la caille monsieur Amatas Jean-Philippe. Amatas Jean-Philippe, qui est-il? C'est pratiquement le bras droit politique du sénateur Nenel Kassi à Miragwan. C'est pratiquement le représentant du secteur démocratique et populaire dans le département d'Enip. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il rentre la caille, il assassinait un jeune garçon qui l'est et Robinson François, son jeune garçon de 16 ans, bon, c'est pratiquement un adolescent, un petit monde, mais qui ont assassiné. Allô? Allô? Oui. Oui, Limon? Oui, non, pas l'air. Oui, ils ont assassiné pratiquement et Robinson François, un jeune garçon de 16 ans, son bagage excessivement grave. Ils ont tiré une fillette de 6 ans, qui c'est petite, et M. Amata Jean-Philippe, petite lui, ils ont tiré lui, en vrai, pour aller à l'hôpital. Et là, ils ont sauté, ils ont tiré un jeune garçon qui est le Désilis Frister. Tous les deux mondes sont à l'hôpital, et le jeune Robinson François lui-même, il a assassiné un petit décédé. Son bagage est excessivement grave. On n'a pas besoin d'où comment nous condamner. Ça veut dire ça, ou non situation. Mais attendez, Michel, avant nous aller là, qui ça que tu as gagné? Qui ça qui a la base? T'es dans manifestation dans la zone nord, ça que tu as gagné? Ah, belle question. Et il faut que moi dire qui est-ce qui a ma tasse, Jean-Philippe, pour qu'elle comprenne la situation. Pour comprendre la situation, hein? Il faut reconnaître qui est-ce qui a maté Jean-Philippe. Moi, je dis que c'est bras droit politique sénateur Nenel Kassi. Moi, je dis que c'est représentant secteur démocratique là, dans le département de Nip. Et moi, je dis que toute activité politique qu'a faite Miragwan, c'est lui-même qui toujours coordonné. Et moi, je vais l'information. Matin, M. Amata Jean-Philippe, dans la tête d'une délégation d'une dizaine de citoyens, te supposé rentrer Port-au-Prince pour deviner un bureau, pour deviner si on plainte, parce que le groupe M. Sayo Miragwan nous a décidé matin en tout déposer une plainte contre tout le monde qui participait dans la dilapidation de l'argent de l'Ouvrarité. Ça veut dire qui ça? Pour nous, c'est une attaque politiquement motivée. C'est une attaque politique contre l'opposition et nous rejetons cette attaque. Il s'agit très clairement d'un pouvoir en difficulté, miné par la corruption, incapable de satisfaire les principales revendications du peuple haïtien et qui cherche à se maintenir par la violence. Maintenant, face à ça, nous voulons rappeler à nos partisans que nos pays, côté la police, ça s'écrasait. C'est-à-dire que c'est dans le carnaval, mercredi matin. Carnaval fin à 6h du matin, on équipe un châle la machine. Et personne ne va stopper. La police crasée, les institutions républicaines sont en faillite. Et nous voulons dire à nos partisans que la légitime défense est consacrée par les lois de la République. Et c'est l'un des principes les plus anciens du droit pénal et les plus sacrés du droit pénal. Si on est de la caille, on est de la caille, ça fait cadeau. Vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de défendre votre famille. Ceci est inacceptable.
responsable et dans aucune société ça va fait. Mais comme Michel, vous partagez l'information avec nous, vous dites nous, Jean-Philippe, t'es gagné pour sortir de Miragouane, venir dans le bureau, pour être capable d'accompagner avec d'autres citoyens, pour aller pour tes plaintes. Information ça, les personnels, donc nous capables d'y intentionnel tout, est-ce que le public pour nous t'as capable avec attaque qui fait sous l'IA? Écoutez, pendant toute période carnaval là, il y a quoi un carnaval, à ma place Jean-Philippe, l'été prend tout le temps avec partisans pour dénoncer question Petro-Caribé pendant tout le carnaval qu'a fait Miragouane. Et tout le monde Miragouane qui est en politique connaît, matin, à 7h du matin, à matin, Jean-Philippe est supposé dans le bureau au moins, avec un dizaine de l'autre citoyen qui a sauté dans le nez, qui a sauté Miragouane, pour venir signer en plainte, ou à le porter plainte dans quatre dossiers Petro-Caribé. Pour nous, c'est une attaque politique. Pour nous, ceci est inacceptable. Et pendant ma parole avec vous là, le sénateur Nenel Kassi, il est déjà à Miragouane dans le département de Nîmes depuis hier soir. Et peut-être il est très fatigué parce qu'il nous parle jusqu'à 3h du matin. Probablement, il est en train de se reposer. Il explique une situation très clairement. Ça passe, hein. C'est pas un bagage qui est anodin. Ce n'est pas une plaisanterie. Il est clair qu'on est face à un pouvoir illégitime. Ouais. Et qui décide de rester au pouvoir par la violence. Et je vais m'adresser ce matin. De façon très spéciale. À un bon monde dans le pays, on va parler avec mon aide d'un coup boulos, on aide d'un coup à paix, on va dans l'autre. Il y a un compte dans le pays qui a fait des faits sur le plan politique. Je veux leur dire, est-ce qu'ils sont prêts pour marcher sur son peuple, pour nous quimber au pouvoir illégitime et incapable de satisfaire leurs revendications du peuple haïtien? Et je vous dis à mon coin, nous entrons dans une phase cruciale. La bataille va être rude, sans déjà commencer à verser. Le monde a déjà commencé à blesser, le monde a commencé à mourir. Et dans le pays, nous avons toujours dit, depuis coup de fusil tiré, le monde blessé par un arrangement qui est possible. Et qui réaction la police, M. Michel, par rapport à ce qui passé? La police n'existe pas. Mais est-ce que le monde ça a eu? Vous avez identifié, vous avez clairement identifié? Vous avez pas de décembre là. Moi, je dis, gagner un groupe de citoyens, militants PHTK, qui rentrait à 7h du soir, la caille aux citoyens. Monsieur Amata Jean-Philippe, la caille, ça ne dit pas des circonstances atténuantes, pas aucun jour qui a expliqué ça, que des hommes armés rentraient la caille aux citoyens à 7h du soir, ils ont assassiné le monde, ils ont battu le monde, ils ont blessé le monde avec ça. Ceci est inacceptable. Ça veut dire que vous vivez dans une situation comme ça. Écoutez, citoyens, t'es éliminé, Amata, vous battez la caille là? Yes. Et à Matas, nous pas dans le même moment. Monsieur Matas, bon, et probablement l'idée doit être échappée. Et on va pardonner M. le sénateur Kassi sur place. Il y a des précisions qui sont capables de gagner que je ne vais pas gagner. Parce que je vais recevoir l'information à distance, mais je vais recevoir ce qui est plus important, ce qui est essentiel. Ce qui est important pour tout le monde qui a entendu Radio Caraïbes retenu ce matin, c'est que hier soir, c'était l'horreur à Miragouane. C'était un drame. À Miragouane, mais ceci est inacceptable. Et moi-même, je dis encore aux partisans de l'opposition, la loi n'a pas autorisé mon entrée à la caille. La légitime défense est consacrée par les lois de la République. C'est l'un des principes les plus anciens et les plus sacrés du droit pénal. Et pour vous, vous faites pour défendre d'être. D'accord. Merci, merci un peu, Nathan Michel. Bonne journée. Merci et tenez ferme. D'accord. Et puis, le combat continue, comme d'habitude d'ailleurs. Et vos combats, maître. Donc, on va faire contact avec Sinota Kassi, mais qui est même déjà Miragouane, selon dire Maître André Michel, pour être capable de donner plus de précision autour des questions. Ça, mais il y a une information dans la vitesse sous réserve. Vous avez l'intervention de Maître André Michel, qui fait comprendre qu'il y a des individus qui ont entrés armés, taille, un militant politique proche de Nenel Kassi, représentant le département de plan, à la date Jean-Philippe, et qui fait connaître que l'identifié. Elle est touchée, des projectiles également. Il y a un mort de 16 ans, c'est ça. Donc, c'est avec Nenel Kassi, probablement, qui a fait plus de miel. Je vais tourner des questions. Ah oui, la preuve de la citoyenne. Peut
très probablement, c'est ça qui est à la base, situation qui était gagnée dans un chalon, Pierre Renel. Merci, nous pouvons mettre pour lier ou pas, ça. Ça oui, nous voyons un responsable sur l'IS qui vous signale. L'information qui est sur chalon, c'est que ça le dit. Alors, vous pouvez être bloqué. Schumann, avec nous. Oui, vous pouvez être bloqué matin, mais nous ne connaissons pas qui est à la base, ça, ça, analyser ça, mais l'un des informations, maintenant, des Michel, pour nous rendre, nous voulons croire que y'a allié. On cherche plus d'informations et sous place pour nous garder qui rapport et que il y a un mouvement 21 et ça qui passé hier soir, c'est ça? Hier soir. Mais nous avons notre réaction puisque il y a un vice-délégué à l'arrondissement de Yaguanan et qui dit le sentir consterné devant Zach Kassal qualifié de brigandage qui passait dans la ville Miragouane dans la nuit hier jeudi 15 février quand ce Amatas une fille une petite ville Zach ça a pas de nom qui portait la peine quand famille Miragouanaise là et c'est un Zach lâcheté qui m'a dit pour nous dénoncer quel que soit côté l'état sorti Miragouane c'est pour nous pas qu'à quitter le film transformé en une zone de mon droit, et c'est pour toute petite ville, on prend responsabilité pour freiner et qu'abot la massacre avancé sous nous sans klaxon, selon sa vice-déléguée arrondissement Miragouane, écrit la matière, monsieur, c'est Daniel Pognon. Ok, Daniel Pognon, donc nous recevons notre nom, mais sous des capotes, dans un petit coup de fil, sous même boîte que vous voyez, notre ça, c'est pas encore mieux, parce que c'est représentant exécutif là, dans le département, et probablement, ou capable en mesure, pour dire nous qui ça vous dérange, et qui gens nous capables de balancer information, mettre André Michel, et délégué pour nous capables de prendre son prochain. Il est déjà avec nous en ligne, délégué est déjà avec nous en ligne, Donc, on a fait contact au téléphone. Michel Abson est là et espérer que les décrocher. Et puis, on est capable de partager l'information. C'est pour une réaction représentant le pouvoir. Nous gagnons. Okay. En fait, nous gagnons, mais nous n'avons pas souhaité parler avec lui. Donc, monsieur a refusé l'appel là. Donc, nous espérons qu'il retourne de toute façon s'il y voulait réagir en direct, Mathéa, sous grand pouvoir. C'est une information que nous avons souligné tout à l'heure. Nous avons fait contact avec l'autre autour. Puisque pour que nous capables de balancer l'information, c'est ça. Parce que nous, nous pas sur place. Mais en tout cas, responsable de la police et responsable direction départementale, ni plan confirmé information. Donc, on a continué à faire contact, puisque nous supposons parler avec directeur départemental sur sa passe. Donc, voilà pour information. Ça, mais André Michel, révélé le matin, son terme de guerrier. Nous avons tourné les amis auditeurs avec Miragouane pour nous. Bon, plus de détails autour des événements, ça. Hein? Donc, faut qu'on ait activité commerciale pour qu'on mesure, pour reprendre le marché Hippolyte deux jours après du feu qui ravageait un bon parti dans le local marché la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février. On dit que marché a déjà pris initiative pour construire très tôt, dans l'idée pour comment il y a démarré, j'ai eu capable avec activité, mais il n'y a pas d'espoir, puisque je dis, c'est l'agent pour rien. L'agent est continuellement, qui passe en bas forme. Il va donner rien dans main ou à lui déraper. Reportage au Fadis Mousse Batelmé. Dans un local machine en feu, 48 heures après gros diffé qui éclatait dans l'espace ça, mardi 12 février, machine victime ici dans ça, rassemblée dans l'entrée machine, pour continuer, rien sans l'eau. Yo, que je me dis, vraiment, parce que nous l'avons dit, corps et l'âme, corps et satan, c'est une comité. Si tu n'as pas besoin de nous, on y est, tu ne peux pas dire, seulement Napton, nous ne pouvons pas dire, mais nous ne pouvons pas dire, vite. C'est pas vraiment des choses, moi-même, je donne ça tout à l'heure. Si vous avez besoin de vous, vous allez aller même cop par là et pour marcher. Maintenant, il passe les mêmes bagailles. Nous disons que vous passez les mêmes cop par là et pour marcher. Même si vous avez fait des choses, il y a pas de marcher pour une semaine pour manger la carte. Moi, maintenant, nous venons là, depuis qu'il y a pas de marcher là, moi, je vais vous dire. Quelques informations qui n'ont pas décidé de son activité, déjà commencé mon titre tuyau sous côté machin. Il y a préparé un spot de deux toujours, mais quand c'est bien qu'il y a pas de même vlé, parce que nous connaissons un bras le bar. Pour nous camper sous l'île, nous avons mais nous avons bois toujours, nous avons connu. Nous avons ramené nous père, mais tout comme nous perdons dedans, nous perdons plus comme nous en dedans, nous battons là en goutte. Le président républicain a déjà mis des campagnes en commission pour accompagner machin qui est victime dans quatre gros du feu ça.
machin ça y souhaité pour ces gens qui victimes vraiment qui jouent une compensation. Merci, Orphan des Sources. Service pompier pas existé, jeudi à Port-au-Prince, capitale, pays d'Haïti. Aucun camion pas disponible pour voter secours, dans le cas éventuel du feu dans la capitale. En tout cas, ces constats nous fait sous place. Sans pas de voulez, voyons enregistrer. Certains agents nous ont posé question. L'un est arrivé dans l'espace service pompier a déploré le comportement dirigeant dans l'État qui a abandonné un service comme ça, qui est pourtant en pile pour payer principalement nos zones métropolitaine Port-au-Prince. Ben Davidson Saint-Fort a été visité espace côté, sapeur-pompier Port-au-Prince, logé depuis deux années. La présenté là, il y a un reportage matin dans le journal là. Si tu fais prendre la caille ou bien boire la caille ou la Port-au-Prince, relis tout le monde, mais pas relis service pompier. C'est comment t'es quelques sapeurs-pompiers nous rencontrer, je l'ai jeudi. C'est pas une mauvaise blague, c'est façon pas pour nous dire pays, service ça a existé. Nous, le vide dans mon vie, c'est là qu'on peut nous répondre. Moi, je vois qu'on est pompier, il fait 11h du matin, nous sommes bicentenaires, espace service ça, pas gain rien qui identifie. Après un grillage comme barrière, ou pas t'a dit un vieux garage abandonné, camion service pompier yo campé, mais yon pas opérationnel. Si je dis à service la recevoyon, alerte incendie, il a répondu tout simplement, désolé, y'a pas qu'à faire rien, camion en panne, et pas n'importe qui panne, puis faut la d'ailleurs, pas qu'à ranger encore. D'après, ça vous fait comme ça. Enfin, mardi matin, nous intéressé que sur les chefs de service là, son raison qui t'a empêché de faire face à drame ça à temps. Mais chef là, pas disponible. Agent sous place, pas au courant, le chef là, Kavin Nambiwol, n'a qui numéro est disponible. Commandant Williams Gregory semblait pas trop en vie. Venez chez Nambiwol, un service qui pas existé. Yon série camion de l'eau qui finit crasé dans un espace qui semble être coupé avec un vieux garage, yon série bureau sale, sapeur-pompier qui n'a pas d'équipement de travail nécessaire, uniforme qui pas bon pour garder encore, yon salaire misérable, sans prime risque, service pompier a semblé mourir dans Port-au-Prince. C'est ta principale raison qui expliquait incapacité sapeur-pompier pour te limiter des gars dans le marché en fait, mardi passé, qui mettait journée jeudi à un paquet maman petite dans tête chargée. Le prochain drame, non, ou mettre assuré, autorité a contenté de faire un tweet ou bien un post sur Facebook pour déplorer ça qui passe là. David Son Saint-Fort, Caraïbes FM. Mais nous apprenons Bob a gagné un projet pour financer la construction d'une caserne pompier dans la capitale depuis 2012 après être le 21 qui s'en sait boire l'huile là. Gouvernement canadien qui était pareil pour financer le projet de construction ça à hauteur de 2,6 millions dollars canadiens. Et bien, projet ça, il était venu pas dans le plan et gouvernement
canadien pour Haïti à cause gouvernement haïtien, selon ça, a été dit, et pas respecter cette condition de commettre un terrain à disposition pour construction Kazenza, un terrain à titre propriété clé qui implanté en bonne et due forme avec études géotechniques selon les responsables canadiens. N'a pas rappelé projet ça, existait depuis novembre 2012 suite à visite magistrat québécois Régis Labaume. C'était sous invitation Michael Jean qui, dans l'époque, c'était envoyé spécial UNESCO en Haïti, côté il était contacté personnellement magistrat québécois sur état lamentable service pompier dans le pays d'Haïti. Côté le sollicité l'aide et que mairie Québec là n'a pas appelé a été engagé pour contribuer à hauteur 170 000 $ pour construction caserne Pompissa dans le pays d'Haïti. Sur un total, j'en ai dit déjà 2,6 millions de dollars canadiens. Le gouvernement fédéral l'a été engagé pour décaisser, pour construire et caserne ça et qui, 6 années après, n'a été nous autres constaté là, monsieur. Oui, donc nous, t'es fait un peu de diligence, hein. Nous, on a niveau pas nous pour que le pays n'a pas perdu la construction ça, puisque nous, on a un policier là, qui sont pompiers également, qui les mêmes dans marché à documents en même. On dit que c'est terrible pas, monsieur, c'est caille pas les besoins construits. Tellement je t'ai voulu et caserne pompier en construit et fait des marches tout côté, rien n'est pas fait pour nous, l'intérieur côté nous là, nous avons Jean-Tel Joseph qui dans le moment était secrétaire d'État sécurité publique, nous avons pas le dossier, nous avons rencontré avec les policiers, mais rien n'est pas jamais fait jusqu'à ce que nous venons dans le moment, Canada dit bon, le camp est sur ça parce que l'État est pas en mesure pour mettre disponible pour eux, un terrain. Le terrain, nous pas joint ou que et construire une caserne de pompier. Ouais. Donc c'est ça jusqu'à ce que nous croyons dans la déclaration. C'est volonté tout simplement. Parce que l'État n'a pas qu'à pas qu'à c'est pour montrer l'acteur de mon côté, nous, comme en fait, là, pas nous, mais dirigeants. Parce que ce 30 juin, ça c'est 2017, on va arrêter Clean Sorti, qui prend le Conseil des ministres, côté Yovine réservé un parti en centre-ville pour construction de bâtiments publics. Et parmi eux, un espace qui est déclaré d'utilité publique pour réserver pour construction et bâtiment pour sapeurs-pompiers. C'est-à-dire le Canada fait une campagne sur le pays de comme encore, c'est de ça qu'il a décidé. Nous cherchons un côté, nous disons qu'il n'a pas ça. Donc c'est pour montrer dans quel niveau nous dirigeons nous. Et on m'a dit, est-ce que ça voulait faire pays, ou bien est-ce que c'est dit, on dit, bon, comme son petit bout de terre, nous jouons, on a fait comme nous, donc tout le monde qui est là, dégagez-nous, chaque monde, nous sauvez tête nous, mais nous, pas compter sur nous. Et c'est quoi ça, mon avis, c'est qu'on comprend pas là. Parce que, pour un bon temps, on peut comprendre que les sénateurs intels, députés intels, magistrats intels, intel. Je pense que même si je comprends des mots espoir que son monde qui n'a pas fait connexion à pays réellement. Mais là, je prends ça, je saisis pour me comprendre que Haïti sont en transit. Son coin, son côté, monde vient faire code pour aller. C'est vient faire code pour aller. Ça veut dire qu'on vient faire code pour aller, démoli. À bon net dernier grain boulon après la main. Vous comprenez ça, monsieur là? Ça veut dire que je ne viens pas, à faire volonté, je viens même ténaïre, je comprends vraiment, haïtien, et mon volonté manifeste, mon tête ensemble, pour changer pays, dirigeant, je ne t'ai pas seul comme ça, mais franchement, je vais dans mes pieds devant, je vais être mon raison, je vais souhaiter que je naïre. Parce que je vais ce petit bagage, mes amis. Dis ce petit bagaille. Il y a des gens qui font des prévisions courtes. Oui. Mais c'est mon moment. Différent point. Très bon, bambo. Autant de combien de boulets déjà. Et puis, pour bailler un espace à un pays qui vous met un service pompier pour nous, en bonne et due forme, pour bouler, pour ne pas mettre dans priorité des priorités. Et puis, bip, pour ce temps, bagarre, on dit, bon, nous avons besoin de faire politique pays à blanc, et vous, bon leader, qui est en gain, gros chef, pile comme, non, moi, ça y a 20 ans, l'autre, moi, célérité, vous, comment vous ne pouvez pas comprendre?
Et puis, on ne peut pas comprendre ça. Comment l'argent est débloqué pour bagaille nul, de nullité absolue, bagaille qui n'a pas grand intérêt sociétal, pays n'a pas grand rien là pour la donne vraiment, et puis pour quoi pays a débloqué la donne, et puis bagaille qui pour être capable d'aider, sauver vie. Et puis bon, on traîne un pied. Et puisque on a parlé de Port-au-Prince, puisque on a parlé de Port-au-Prince, vous voulez que tout le monde connaît, et c'est bon, Port-au-Prince qui c'est capital pays, on pourra gagner service ça, mais c'est toute ville qui n'a pas gagné pompier pour l'instant. Alors que là, Carrefour, constaté, oui, le bagage du feu. Alors que l'autre traversé sous frontière là, Jimani, par contre, dans autre ville en République dominicaine, mieux qu'on y est, il y a peut-être 15e ville, il y a des services pompiers. Un petit peu de oui, donc j'aime bien dire là, Joachim, Maxo, c'est un policier ça qui tape marche à tout document, oui, j'ai ça en bas de Wally pour que nous ne soyons pas bons comment ça est capable de réaliser, mais ça n'a pas fait jusqu'à ce que le pays ait perdu le projet ça. Maxo, ensemble avec nous, bonjour. Bonjour, monsieur Gaillé, bonjour, je vous ai et tout le monde tape dans les radios. Oui, donc vous êtes agent 4, c'est ça? Vous êtes agent dans la police, non, mais on sait comment son... On t'embrasse l'idée, on prend l'initiative, là, vous êtes pour nous. Oui, on fait partie de la coordination. Ok. Dans la police, à côté qui est, mon chef là, c'est IG Jean Sinflé, inspecteur général Jean Sinflé. Ok, vous avez passé des coordinations. Donc, dites-moi, j'en ai dit tout à l'heure, on peut faire une pile diligence pour que le projet Canada. Son projet Canada est venu. Après 2012, son livre DTA, pour que vous ayez Michael, Jean, du pays du projet, en 2015, pour vivre à 105 officialisé. Ok? Le projet a commencé. Ce gouvernement-là, vous venez là, le projet a commencé. C'est un projet qui valait à 2,6 millions de dollars américains, plus ou moins le parti encore. Le projet là. C'est le projet à venir, qu'on y a là, il y aura avec les témoins bénisés, autant que UCLBP, il y a des constructions de logements et de bâtiments publics. Il y a pas de documents à eux. Je vais remettre monsieur Bélizet, côté qui peut être fait suivre, à remettre une justice là, document là. Quand il y a là, nous être en passé, on n'a pas fait. Quand il y a là, les qui nous allaient, dans la délégation ambassade, donc ils sont en train de aller, les secrétaires à fouiller, ils parlent en un, les relèves sont en Bélizet. Il n'y a pas de ministre là-bas, c'est le ministre de l'Aïe. Et il a été qui m'a eu. Il fallait la source, le premier ministre qui peut venir. C'est le capé. Premier ministre privé. Privé. Les mots projet à perdre joué, qu'on y a gouvernement. Le gouvernement, ça avait monté là. Ok. Ça me fait. Mais c'est pour la diligence, pour envoyer le document à nous et finir conseil président. Moi, je vais aller. Monsieur va laver le document. Il devrait prendre le document dans le document. Il va côté de nous. Je ne sais pas tellement. Intéressant. Ok. Elle me connaît à nous elle-même, son lettre qui est toujours intéressant à tout le monde. Je ne suis pas intéressé qu'on y allait passer. Moi, j'ai Canada, je m'en ai pas sorti. Au Canada, son. Les intéressements viennent, le fait que le Canada, c'est pas un coup. L'État va essayer de planter, la vienne planter, bah, elle a même directement. Exactement. Ah, pas que pas gagné là, pas besoin de tout intéressé, oui, non. Je veux dire, venir Canada, vous faites tout bas, y'en oui, parce que. Ah, non. C'est un cop qui t'a baillé. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Il y a des responsabilités que vous gagnez
dans un pays, yo obligé de garder ce que gagne intérêt dans le pays. Qui sont intérêt à eux? Famille, madame, petit. Est-ce que là, parce que c'est une madame qui vit dans le pays, il y a petit qui vit là-dedans. Là, on va mettre un sapin pour un pied. Je vais intérêt pour me faire installer. Parce que si on dit fait pour probablement, madame a petit pour un canon dans rien. Mais si on même, le pas payé ça, c'est tant de autant de parler de billets dans le téléphone. Et puis qui est-ce qui a payé billets là-bas, c'est comme bizarre. Qui est-ce qui a payé l'université, c'est comme bizarre. Ça veut dire que là, nous prenons des mondes comme ça, quand ils viennent, nous l'avons des postes dans les. Et puis, pas qu'on gloire une femme, pas qu'on mouche dans le pays. Il n'y a pas d'intérêt, non, c'est des bagages. Sans qu'on peut poser au chabou, on a passé. C'est eux-mêmes qui doivent diriger. Oui, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Pas d'intérêt, non, c'est des bagages. Donc, ça arrive que nous n'avons pas de juge. Nous n'avons pas de juge. Nous avons un mois, nous avons caché. Ok. Nous parlons de travail, nous avons été fondés à l'assassinat de ce moment-là. Nous parlons de travail là. Ou si nous sortons là, nous sortons tout complet. Nous avons caché ce mois. On va trouver une là et puis ça me vient là. Qui s'attend à la base, Varis à Vélo là? De ce que le ministre était, il y a fait une inauguration Kafou. C'est avec le chef, moi, il est Jean-Saint-Flet. Il n'a pas eu des pompiers. Quand il y a des 56 machines, il va vous parler dans un pompier. Chaque fois, il y a l'Américain. Il m'a dit, c'est impossible. Il m'a dit, c'est un bail quoi, pas fait. Vous mettez le pompier parce qu'on est de l'intérieur. Ça, c'est vrai. Il faut dire que la police est au courant. Il faut coordonner bien au courant. Il faut que la justice soit au courant. Moi, qui ai moins dit ça, c'est le conseil de corruption. On a mal participé dans l'émission. Et vous pouvez échapper, vous dites ça. Oui, nous avons ministre souffert comme ça. C'est la corruption. Nous dit premièrement, ministre, nous dit premièrement, pompier, parce que nous sommes intégrés. Si après vous connaissez le ministère de l'Intérieur, il faut modifier la loi du ministère de l'Intérieur. Okay. Parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas de provision compliquée. Deuxièmement, il faut amender la constitution. Quand on a appris ça, on a profité de parler de l'Adé. On dit, monsieur a des référents dans le conseil président, et mettez les gars, tel est refait. Ça va, l'État dit ça, mais non, on a compris, on était content. Nous connaissons un bain de gars avec Adouin. Quand on a appris l'émission, on vient manger les, on dit, et tel, un jour, parce que l'émission, on vient comme nous, on vient à nous. On dit, il faut bailler comme ça. Parce que nous-mêmes. Okay. Immédiatement, l'homme dit, monsieur, ça, nous t'en nous. Dans lundi, monsieur, voilà, nous sommes sur la radio, à tout ça, on ne dit pas. On va faire une nettoie. On pose, on dit, ma télé parler. Quand on est là, d'avoir information, c'est formidé, vivement, madame, une pointe voyée, elle te voit dans le sur la joie. Ça a été là, 24 décembre, on a eu l'élu. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Comment de Maxime dit oui? Dis-moi, comment de Maxime dit oui? On l'a autant activé dans le pompier. Dis-moi, comment on dit, c'est mon Philippe? Dis-moi, cher, pas de m'empêcher les Iwan, 25 kg de cocaïne. Dis-moi, qu'on est oui? On parle de mon affaire avec moi. On parle de mon affaire avec moi, gracé de Port-au-Prince. Dis-moi, oui? Dis-moi, je ne vais pas faire ça, non? C'est mon décembre 24 là. Je vais faire l'aide pour me faire vous malin de CPJ. Je vais parole, je parole. 27 lèvres, je vais à monsieur. 28 mètres de Port-au-Prince. Monsieur, je vais aller matin pendant que chef suis malin de CPJ. Je vais aller à l'école, je vais là. Je suis chef dans le lit. C'est un grand prison, je côté avec moi. Vous avez fait une émission, vous avez parlé bien. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. De pour aller au parc de vivant. Il dit, mais non, Banzia, mais il est au téléphone. Lui, il parle parole, parler, non. Quand il y a là, il fait, pendant que le chef monte dans la route, il dit, chef, comme ça, il dit, Maxo, mets-toi à couvrir. Les malins de CPJ, les malins de CPJ, mal fait maintenant, donc il va pas faire un pour moi. Coupez conversation avec les gars. Tandis que, regardez, ici, ceux qui sont là qui pourraient des mondes, coupez conversation avec les gars. Ça veut dire quoi? Qui ça, moi? Ça me dégradit, moi, je me dis, parce que nous sommes montés, nous prenons les points négatifs. Mission, c'est pour éliminer moi. De ces pays, ils ont côté loi là. Souvent, on pile l'argent, nous sommes en gros dilet, l'on est en train d'y sur lui avec nous. Parce qu'on ne va pas faire quoi à vous. Ça m'a dit, n'importe où, nous sommes. Ouais, n'importe où, nous sommes policiers. Non, n'importe où, un policier, qui va y tirer dans le pays, il n'y a pas de importance. Qu'est-ce que nous venons, nous venons au téléphone, non? Oui, c'est une église là-bas, et bon, dire nous sommes sur l'autre nom. Pour amener une enquête pour qui est-ce qu'on a posé tel bagaille, non?
Monsieur Goncat, là, mon cap expiré en 2020, ça veut dire que son monde qui est fait, en fait, qui est en fonction, même le bon liberté, ouais, ni. Moi, je n'ai pas la police à gagner. Oui, la police à gagner contre ça, ou pas capable. Les potes de gens, ils sont quoi, hiérarchisés. Donc, il faut qu'on ne nous pas l'en responsable de ces potes par là. Donc, on a une liberté. C'est une belle question. Moi, je viens de l'entrée de sa première émission, moi. On va engager sur la police là. On va engager en tant que citoyen ici. On est payé. Ça veut dire quoi? Pas que mon Dieu la police. Si l'on engagé, on connaît pas la police. Avant tout, on voit beaucoup de chapeaux pour éviter la police là. Mais j'ai fait entrer la police là. Travail, j'ai fait non moi. Peut-être qu'on pour un an. Peut-être qu'il y a eu des inconvénients par rapport avec les finances. Monsieur Politico, il nous l'avait diminué. Ou avant de venir là, par contre, qui fait me décarreler, nous pouvons compter avec. Directeur général de la police là, pour ça pas nous répéter là. On n'a pas venu. Moi, inspecteur de police, c'est qu'on a fait jonction. Les directeurs n'ont pas sorti, pour prendre une machine pour qu'il a sorti. Ça, M. Mon Gonou, pour ça, on ne va pas répéter, nous dire les mots avec le directeur général de la police là. Excuse-moi encore. Une fois, dernière fois encore, moi, DCPA, le directeur central de la police administrative. Là, M. le dossier, M. DCPA, pour bien sentir. Il dit, pourquoi faire du pour bien sentir? On n'était pas à cause de Bokari, qui ça vous fait? On dit, mais ça vous fait. Il me croit que, et quand tu as fait une situation, c'est président ou bien premier ministre pour moi. Et vous, ça veut dire, je viens là, pour vous donner des vents. Parce que je dis à là, vu mon danger, je vais me cacher, je vais cacher encore. Ok, bon, parce que, il faut dire la même chose. C'est pas important du tout. Oui, mais nous, on a continué à faire une journal là. Je t'ai rencontré, monsieur, c'est ça qui fait que je ne peux pas parler. Bon, par contre, j'ai venu à ça. Je vais essayer de faire contact parce que nous l'a chisé. Je vais essayer de faire contact pour que nous soyons capables de voir comment le projet est capable d'atterrir. Mais ça n'a pas marché. Donc, monsieur, il était toujours prêt pour que nous parlions d'ailleurs de ces vrais que Kazan Popia les construit. Mais nous avons essayé de regarder comment nous avons fait, mais ça n'a pas marché. Donc, toujours disant, c'est peut-être ça que fait, monsieur, il a décidé. Dégagez les vous dire. Donc, de toute façon, ça nous a dit où. Donc, ou à couvert, pour un peu de précaution, la vie, c'est le cas de vendre des gagnants. On n'a pas besoin de vous ni acheter, ni prêter dans le monde. Bat pour être en vie. Et ça, c'est le mandat de vous. Bat pour être en vie, et puis un peu de prudence. Donc, comme conclusion, on ne va pas commencer. Oui, vous êtes capable. Donc, comme conclusion, je dis à la, si nous avons le fonds pour essayer dans le pays, si vous êtes à demain effiré comme conseiller président, comme le qui dévoué, qui souvent paye le monde de janvier, il y a bien M. Gaël Pinson, membre des idées, si il y a bien M. Gaël Pinson. Ok? Et après, il y a ce flambeau plateau. On va aller au garantie, il y a pour Karel Alexandre. On va aller au garantie dans un an. Il y a un grand compé qui a pu répondre avec les normes internationales. On va dire directeur, on va dire commissaire Grégory, tout, hein? Mais bon, il est dans la tête pompier, je veux dire. Et monsieur, il n'a pas ça. Il travaille dans le pompier depuis sur l'armée d'Haïti. On va citer mon nom de ça. Bon, vous avez oublié, bon commissaire Grégory. Ok. C'est mon. Parce que j'en paye avec ça. Et une émission, je ne sais pas si je fais là, je fais une bonne émission, Avec qui est-ce? Beaucoup de désir. Ok. Donc, il y a pile bagaille. Oui, il y a pile bagaille. Il y a pile bon, il a parlé. Parce qu'il y a pas ça. Sans choix, je fais pas de mon adieu. Mission, c'est pour éliminer moi. Ok. Pour éliminer moi. Donc, pas de chance encore pour nous d'arriver à une boîte là dans le Canada. De tout délai épuisé. Non, non. Depuis le gouvernement fait des machines, moi, je m'appelle à voir là, je vois un monde qui est aux États-Unis, monsieur, fait qu'on a une université aux États-Unis, là, parce qu'on est pompier. Ils sont lieutenants. Je dis quoi que chacun ici, nous, le bois, paye des pompiers, il doit faire payer avec machine, matériel, équipement, ça fait important pour eux, c'est pour le gars, bah, vous l'avez vendu. Pour venir venir, c'est l'argent qui intéresse vous. Quand il y a M. Poué là, il dit premièrement, la vie de connaissance en Haïti. Ça a besoin, les besoins d'autorisation du gouvernement seulement. Et là, bah, pour les États-Unis, bah, comment ils disent, bah, ils parlent là pour nous faire. Ok. Si ça a besoin, besoin de contact directement, on parle de dire là pour le président aider, parce qu'il vit mon danger. Il dit, t'as combattu la corruption. Parce qu'on passe en côté, on a augmenté une institution. Je veux dire, là, engagé. Comment ça va être une institution? Ah, ben, ça a eu les plus souvent dans une émission.
on prend comment rentrer. Eh bien, policier, pour l'engagement, d'ailleurs, c'est pas un jour. Je veux dire, là, il faut que vous changez ou bien vous pouvez ok. Si je fais ça, si vous pouvez aider, tout le monde veut aider, parce que vous avez une police en rendez-vous, parce que vous avez un contrat président, vous avez un document pour lui, et vous avez deux dans les pompiers. Et vous pouvez aller au Chili. Non, on ne va pas Chili, on ne va pas aller au Brésil, on va faire tout le monde de l'argent. Si vous avez un projet là, ou bien vous pouvez exiger. Chili a commencé dans la mairie, là. C'est conseil, nous battons un coup de chapeau volé. Conseil, nous, dans le Pacifique, qui sont coup de pied dans Chili. Il veut dire, nous avons un reporter à la guerrier. Vous avez tout le reporter là? Oui, nous avons un reporter là. Donc, vous avez beaucoup de jeunes d'attendre. Vous réfléchissez avant un coup. Excusez. Oui, c'est fini. Comme ça, on t'a dit, nous avons l'équipe, même Jacques, qui est président pays, il a acheté matériel pour 123 millions de dollars pour bailler. Pour nous, on a souhaité que quelqu'un investisse dans les pompiers, même si il y a plein de monde qui est dans les yeux ici dans le pays. Il n'y a aucun pays au monde qui investit dans les pompiers. Ah oui, c'est très important. Les pompiers, c'est garde-fou. Oui. C'est lui qui a veillé tout investissement. Tout pour investissement. Ça veut dire que ce soit un gros investissement, en fait. Si vous n'avez pas investi dans les pompiers, son investissement, vous quand il croise le bois là, qui passe en bas flamme, vous n'avez pas l'environnement, vous n'avez pas l'environnement. Oui. Tout ça qu'on fait là, construire, vous faites votre bagaille, il y a l'environnement, pas possible. Bon? Oui. C'est là, c'est la vérité. C'est la plus ou moins. Pour être, vous demandez pour investir dans les pompiers. Investir dans les pompiers, ça veut dire que vous pouvez y avoir un pompier qui dit. Et je dis à ce moment-là, il faut qu'on essaye. Pendant qu'il sera livré sur votre intérieur, pendant qu'il sera resté en coordination, nous avons mis en coordination. Il faudra que le ministère de la Justice, le président du ministère de l'Intérieur, défense, sécurité publique, la police, pour qu'il y ait une coordination, il y a une instance là. Et il ne faut pas oublier qu'il faut adresser ce état-là, en coordination ça, pour qu'on n'ait pas fait un battable. Côté que le ministère de la Justice, j'ai tout le monde qui est soumis, décision de publier. Et je dis à la. Si on ne parle pas de la pompier, on dit, si on ne parle pas de la fête, même si on fait 10 ans, 15 ans, on ne va même pas. D'accord. Ok, d'accord. Merci, Phil Maxo. D'accord, Maxo fait une révélation là. J'avais dit, Maxo, même là, qui est 4 000, c'est lorsque tu vas placer sous épaules. Si tu es tout placé sous épaules là, on a besoin d'arriver vite là. Dans off-drugs là, si vous pouvez bourrer. Non, avez dit que vous rendez compte que dans pile complot, tu n'es pas réussi. Oui, mais nous travaillons depuis que nous avons mis physiquement. Allez, même. Ok. Ça veut dire que mon petit mot bouche chapé quand elle tombe, c'est corruption, elle dit. Oui, bah, elle dit comme ça, un mot comme ça. Ça veut dire que mot ça, c'est pour mon petit mot. Nous, quand il va clean, il y a un frère, vous avez mangé moins, vous avez des chaleurs sous dos, à nous effirer avec le ministère de l'Intérieur. Il va vous dire tout, il va vous dire ça. Et en travaillant, vous avez mangé moins. Vous êtes battu. Avec complot, il n'y a pas tout. Oui, en tout cas, ce n'est pas ni à nous effirer, ni ministre intérieur. Vous avez parlé de vous, vous avez mangé moins, parce que vous avez dossier bouillant en bas, vous avez des chaleurs sous dos, à nous effirer. Mais à nous, excusez-vous, je dis, mon cher, vous dites, c'est un bon pire fait. Parce que nous n'avons pas l'idée ou pas de menacer vim. Je dis à ce qu'on a fait, obligé là. Et je dis à son balai qui a continué que soit que vous pouvez nous conseiller l'intérieur, il faut nous faire le bien. Même théorie du complot, ça, dans le pays, nous avons passé dans le pays. Nous-mêmes, écoutez, qui paraît pour nous des invraisemblables. Total. Par exemple, événement, et par les nationales, mon fou, mitraillette, uniforme, comment relais, campé de l'ambiance au président. Tout chargé. Vous pensez dans la théorie complot, complot taille n'est pas arrivé jusqu'là pour fabriquer ça à tout.
Non, on va prendre ça, on va toucher parce que là, vous ne pouvez pas comprendre directement. Vous ne pouvez pas qu'on est. Je vais parler de pompiers. Soit vous avez une façon là. Ok, vous avez document. Si vous avez une façon là, vous ne pouvez pas vous faire vous pire. Eh bien, d'accord. Eh bien, ok, d'accord. Ok, prudence, hein. D'accord. Et quand vous avez une communauté, vous avez une photo qui est dans le combat. Ah oui, nous avons un président pays à tout le temps, mettez-en votre travail. Nous-mêmes, tout. Parce que vous volonté, pour que j'avais mon vie. Bon passé ça et puis dans pas doué tout on a câble pour quelques coups de fil là on dit n'a pas de coups de fil réunion rendez-vous nous te prenons un an ça n'est fini caché qu'on a côté pour lui il y a des soucis là il va nous mettre on s'est dit là on est si mes potes ont fait tout le monde Qui est éclaté là, président Jovenel Moïse, donc dit lui-même, bah, ça a son scandale total capital, un bisexuel, dirigeant Oxfam dans le pays d'Haïti. C'était en 2011, directeur programme en Haïti, ONG Oxfam, Roland Van Hoewijn, un belge, 68 ans, et a mené sa activité avec diverses prostituées, famille, les timineurs, et a mené pour lui, et ses quatre employés, dans la chambre hôtel, l'hôtel Oxfam, loué au même, qui est entré dans l'activité, ça. Condamnation de sortir au babon pour être capable de faire ça passer hein, pour le monde qui est capable au courant des scandales. Et un journal britannique The Times qui rapportait en Haïti, président Jovenel Moïse qualifié Zaxa des violations extrêmement graves de la dignité humaine. Donc, pas gain rien que plus indigne et malhonnête, l'un prédateur sexuel utilisé position dans le cadre de réponse humanitaire avec une catastrophe naturelle pour être capable d'exploiter des mondes qui sont dans une situation difficile. Dans un moment de grande vulnérabilité, c'est ça le dénoncé, chef d'État PIA, sur le compte Twitter. D'après le président Jovenel Moïse, ça passé avec Oxfam en Haïti, hein, sont violations extrêmement graves de dignité humaine. Beaucoup de par le ministre haïtien Coopération externe, M. Aviol Fleurant, dit apprendre, c'est avec sans consternation que ONG Oxfam Nantes a impliqué dans des crimes sexuels sous Timon Piti dans le pays d'Haïti. Dans le moment où on a un drame, on joue après le tremblement de terre. On joue même après le tremblement de terre, 12 janvier 2010. Dirigeant Yo, tu as utilisé. D'après sa ministre qui a géré ONGO, qui a opéré dans le pays, mais a viol fleurant déclaré. Rencontre initiale là, les prévoit pour qui jeudi? Jeudi hier, hein? C'était jeudi hier, là, entre ministre planification coopération externe, M. Aviol Fleurant, avec dirigeant Oxfam en Haïti, mais en contre l'imparfait. Oui, c'était pour hier, en contre l'imparfait. Et c'est chancelier haïtien Antonio Rodrigue, ministre coopération par intérim, qui fait annoncement dans un point de presse. D'après lui-même, rapport ça, donc, c'est absence d'un pays, ministre Fleurant, avec directeur pays ONGO. Donc, à cause de ça, c'est que ça fait en contre l'imparfait. Il expliquait que directeur Oxfam pour Amérique latine à Caraïbes, a bien pour voyager dans le pays d'Haïti, semaine qui a venu là, probablement elle est venue. La petite plus précision autour des questions, ça, nous pensons que c'est à mieux pour nous, pour tout le monde, semaine qui a venu là, pour nous capables de gagner toute information que nous avons cherché d'après ça, le fait qu'on est. Ministre Rodrigue a poursuivi pour dire l'organisation qui a travaillé en Haïti doit respecter le pays. Nous, c'est en même temps informé. Mais autorité de tout ça qui est susceptible pour constituer une information importante pour le gouvernement. Nous pensons avec scandale ça, que le responsable Oxfam a manqué sérieusement à obligation. Dans la foulée, le chancelier haïtien promet que la justice pourra le saisir
en façon pour faire lumière sur le dossier ça et punir coupable correctement. La justice. Interrogation. Nous comptons pour nous gagner toute information afin que pour nous capables de procéder avec une action justice. Nous pensons que ce sont affaires qui n'ont pas pitié. État haïtien, donc, pour faire lumière sur la question ça, pour capable de venir ici là ou qui est impliqué de près ou de loin, de très loin, dans le scandale ça, et faire en sorte pour punir correctement. Donc, le senti scandale ça, son scandale qui mettait à genoux le directeur général adjoint Scott Swamnan, de démissionner dans le poste. Donc, dans la lettre de démission publiée lundi, Penny Lawrence exprimait tristesse et honte totale qu'elle gagne à propos conduite et maladroit employée chaque jour avec ça qui est en Haïti. Qui a eu recours à des prostituées en Haïti en 2011. D'après le journal The Times, l'ONG britannique l'a accusé du fait qu'elle t'a servi de rat pour couvrir un bon abus sexuel, abus de toutes sortes. Le journal britannique l'a révélé que 7 membres Oxfam, déjà accusés de pouvier messe, conduite irrépréhensible, bagaille tête en bas, alors qu'il était en mission dans le pays d'Haïti après tremblement de terre, 12 janvier 2010. Là. Il était dû faire, d'après ça, vous fait connaître, il a fait appel à des prostituées. Et en pile là-dedans, c'est mon petit. Les circonstances, nous cherchons pain. Et nous connaissons bien la terre. Et pas bon ici, tout le monde est dans la rue, tout le monde est dans la rue. Pas de caille, pas de côté. Donc, et tout le monde est grand goutte. Il était grand. Donc, eux-mêmes, pendant un cadavre à déchausser, sans cadavre très bon, pas bon, ils prennent gros l'argent pour venir aider nous. Sinon, ça, l'argent est passé. Ça fait Haïti dans l'Italie, là, en fonction des quoi, vous avez été débloqué pour Haïti. Le professeur, l'autre bagaille, tout. C'est là, oui, financière, H. Là, oui, financière, H. Là, il vient de ces mêmes bagailles. C'est l'argent, il vient de mes bagailles. C'est là, il fait ma ceci, il prend quoi, aller dans l'hôtel, faire ma ceci, il fait ma ceci. Et puis, prend, achète gros du vin, gros chambre hôtel, louer machine papier, les pas ma conne, et puis, mais,